Discretion is advised. Salut tout le monde, dans cet épisode nous allons nous faire une petite frayeur. Je ne serai que trop vous conseiller de vous isoler dans le noir, de brancher vos écouteurs et de pousser le volume. Pour les réfractaires, je vous rassure, il n'y a ni clown, ni de vieilles chouettes de sorcières ou tout ce qui peut nous rappeler à nos phobies les plus communes. Nous commençons avec un court-métrage qui a pris un petit coup de vieux, mais il reste efficace. Vous allez suivre une gamine qui affronte une peur que nous connaissons tous, la descente à la cave sans lumière. I'm at the top. You can do this, Katie. But you have to do everything I say. Tell her to wait till we get home. Most important, there are 10 steps. Concentrate on counting. Have you got that? I think so. That's all you've got to think about. 10 steps. 1. Good girl. Now take the next step. Keep going. 2. Keep going. 3. Si vous ne connaissez pas encore ce clip, sachez qu'il a été publié pour Halloween 2014. Il s'agit d'un faux plan séquence chorégraphié par l'équipe de danseurs de Quest Crew, une performance qui a de quoi faire pâlir les plus grands. On fait une pause avec les nouveaux courts-métrages de Disney qui a effectué récemment une reprise graphique de ses mascottes. Des techniques d'animation modernes et des sujets d'actualité parce que tout le monde se met à aimer les zombies d'un coup. Vous avez forcément entendu parler de Lights Out, ce court-métrage réalisé par David Sandberg à l'occasion d'un concours de films d'horreur. Vous allez devoir le suivre de près si vous aimez les réalisateurs de talent et vous faire peur. David Sandberg réalise astucieusement ses films et il le prouve avec une efficacité terrifiante. Au-delà de ses films, je vous invite également à aller voir ses making-of très instructifs. En attendant, voici un extrait de sa dernière création. Peut-être voulez-vous en savoir plus sur le court-métrage perdu avant d'aller vous faire peur. Voici l'info du jour. Le héros et l'extraterrestre se sont entendus sur un plan. Ils pensent tous les deux que la créature se cache dans les ruines de l'usine. Le héros va tenter de disposer un maximum d'explosifs dans les ruines pour que l'explosion provoquée force la créature à sortir. L'extraterrestre attendra à l'extérieur avec le fusil pour l'affronter. Maintenant que le plan est réglé, il se met en route avec le matériel. Je vais vous laisser parce que j'ai entendu un bruit suspect dans le grenier. Donc je vais aller voir. Et sur ce, je vous dis donc bonne séance et à la prochaine.